everybody, c'est Lord Haley Potty. Vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Et vous allez sûrement le voir par la longueur de la vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer cette semaine, surtout du graphique, donc je vais attaquer tout de suite. Alors, la première chose que j'ai à vous montrer, et Dieu bénisse Libre Addict pour ça, c'est le manga que je vous disais que j'allais lire cette semaine, et j'ai suivi ce que j'allais faire. Je me suis fait le tome 1 de Haikyuu, les As du Volet, par Haruichi Furudate, édité chez Kaze. Alors, j'ai plus de manga avec moi, parce que justement, j'ai lu tellement de mangas différents cette semaine qu'il a fallu que j'en rende. Voilà. Alors, je vais répéter exactement ce que j'ai dit la semaine dernière. J'adore le volleyball. Donc, il était évident que je lise, parce que franchement, volleyball, équipe masculine, plein de garçons, shonen sportif, c'était fait pour moi, j'ai adoré, et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, je vous ai dit que je ferais le tome 1 et l'animé, je me suis fait les 19 premiers épisodes de l'animé. Alors j'ai pas pu faire les 6 manquants parce que j'ai pas eu le temps, j'ai trop lu de BD, mais cette semaine, il est mort, ok? Je suis trop accro, j'aime énormément, c'est plein d'humour, c'est donc du coup sur le volet, vous vous doutez bien, donc si vous aimez pas trop sport, je vous le conseille pas particulièrement, mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont intrigués, allez-y. Parce que ça vous explique les différents rôles des joueurs. Il y a des parties techniques, mais pas trop trop non plus. Donc, très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? En graphique, toujours, que j'ai rendu. Donc, même chose, vous aurez que la couverture. Alors, je me suis fait le tome 1 du comics Saga par Brian Vaughan et Fiona Staples, j'imagine. Voilà, alors c'est un comics que j'avais repéré il y a un bail et que j'avais jamais emprunté parce que je lis pas de comics et j'aime pas ça. Mais j'arrêtais pas de le voir sur les chaînes américaines et je me suis dit bah, pourquoi pas, hein, il est sous tes yeux, tu peux très bien l'emprunter, fais-toi plaisir. Mais c'était très très bizarre à l'intérieur. Par exemple, il y a un mec, c'est un humain, mais il a une tête de télé. Il y a bah, donc des créatures avec des cornes, des créatures avec des ailes, ça c'est un peu plus normal, c'est pas grave. Mais du coup, c'était assez bizarre, le contenu. Est-ce que c'est l'aspect comics? Je ne sais pas. En fait, c'était très indies, vous voyez? C'est un peu spatial, on ne sait pas trop ce qui se passe et tout. Ça se passe justement dans un univers parallèle, avec plusieurs planètes, un conflit entre deux planètes, tout le monde qui se retrouve dans cette guerre alors qu'ils n'ont rien demandé. Et on a nos deux parents, donc ceux qu'on avait sur la couverture que j'ai enlevé. Qui sont des deux camps ennemis, forcément, et qui ont eu un enfant. Et donc, ils essayent de fuir en survivant, et sauver leur enfant, tout ça. Et c'est pas mal intriguant. Donc, peut-être je lirai la suite. Je vous avoue que c'est pas mal quand on est dedans. Mais une fois fermé, j'ai pas cette grosse envie de me jeter dessus. Donc, si vous aimez le fantastique, si vous aimez les comics, je ne peux que vous le conseiller. Il y a énormément de personnes qui ont adoré, donc tentez votre chance, c'était pas mauvais. Voilà. Après, cette semaine j'ai lu des BD, chose que je ne fais jamais. Alors, je me suis fait le tome 2 de la série Le Royaume par Benoît Feroumont, édité chez Dupuis. Parce que j'étais à la bibliothèque, je m'ennuyais et puis il y était. Voilà, tout simplement. Et comme le 1, j'ai passé un moment super sympa, c'est agréable, c'est un peu une parodie du Moyen-Âge, avec un peu d'aventure. Et du coup, j'ai passé un moment très très marrant, donc je vous conseille, si vous ne connaissez pas encore. C'est très bref, mais je trouve que ça résume bien la situation. Après, j'ai lu une autre BD, une autre série, et en fait j'ai lu les 3 premiers tomes de la série La Rose Écarlate par Patricia Li Fung. Je crois que c'est ça. Édité chez Delcourt. Et les dessins me font énormément penser à Totally Spies. Il fallait que j'en parle, parce que vu que j'ai que les couvertures à vous montrer, il faut quand même que je vous parle de l'aspect graphique, parce que ça m'énerve de ne pas pouvoir vous montrer comment c'est à l'intérieur. Là, vous avez le costume quand elle est en rose écarlate. Et je vous montrerai le tome 3. Et en fait, c'est vachement sympa comme série, parce que c'est une nana, grosso modo, qui est paysanne, qui vit en France, dans le passé, à l'époque de Louis XIV. Et en fait, son père va se retrouver assassiné. C'est pas un gros spoil que je vous fais. Et elle va essayer de trouver le meurtrier de son père. Pourquoi son père a été tué. Et du coup, elle va voyager en France pour essayer de découvrir. Parce qu'il y a un truc qui est lié aux Templiers.
Et elle va un peu se déguiser donc en rose écarlate, d'où le titre, qui va un peu avoir un rôle à la Robin des Bois. Voler aux riches pour donner aux pauvres. Elle a, l'héroïne, elle a un sens de la justice assez inné. Et j'ai trouvé ça top parce que justement c'est très marrant. Vous avez cet aspect histoire qui est quand même bien prenant. On veut découvrir les indices pour trouver le meurtrier de son père. Et puis je pense que l'intrigue va montrer crescendo. Mais en même temps, vous avez cet aspect plus léger, comme un peu dans Totally Spies, avec hein, des beaux gosses qui sont là et tout. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a un aspect féminin, mais pas trop futile non plus. C'est un bon titre. Je vous le recommande chaudement. Donc bientôt, je vais me faire les 4. C'est à venir. Voilà. Ensuite, on continue, parce que je n'ai pas fini dans le graphique. Alors, c'est très très mal. Je sens qu'on va me taper, mais c'est pas grave. Alors en fait, je vous ai déjà parlé d'une série que j'adore, donc qui est la série Blue Spring Ride, par Io Sakisaka, éditée chez Kana, qui est toujours en cours au Japon et toujours en cours en France. Et en fait, il y avait l'anime qui était en cours au Japon jusqu'à la semaine dernière. Et il vient de finir. Et je suis amoureuse du travail de Io Sakisaka depuis des années maintenant. J'étais amoureuse de Storm Edge, maintenant je suis amoureuse de Blue Spring Ride. Et... l'anime est fini et j'étais en manque, et même si je savais ce qui allait se passer par la suite, il fallait que je lise la suite. Donc je me suis fait de la moitié du tome 4, parce que l'anime finit à la moitié du tome 4, jusqu'à la moitié du tome 12. Voilà, parce qu'il fallait que j'arrive jusqu'au rythme japonais et que tous les mois je vais me faire mon chapitre, grosso modo. Alors de quoi ça parle? Alors ça parle de Mademoiselle Futaba, qui est trop belle, donc qui est l'héroïne sur la couverture, comme vous en doutez. Qui déteste les garçons, mais elle ressent un certain sentiment par rapport à un garçon qui s'appelle Tanaka. Et bref, ils vont se retrouver séparés, ils vont se retrouver plusieurs années ensuite parce que Tanaka a déménagé. Mais Tanaka a complètement changé de personnalité. Et donc elle va essayer de redécouvrir son premier amour, vous voyez. Mais comme ça, on dirait un shoujo assez basique, assez gnangnan et tout. Mais là, c'est... je sais pas, c'est frais, c'est pas trop cliché. Moi, il y avait mon cœur qui arrêtait pas de palpiter, même si je connaissais déjà ce qui allait se passer. J'adore le personnage secondaire masculin qui est Thomas, qui arrive au tome 4. Je l'adore. Il m'a fait sentir plein de sentiments tout pailletés, tout brillants, tout mignons. Et je me rends compte que mon avis ne veut absolument rien dire. Mais si vous aimez les shoujo, je vous le conseille, mais à 10 000%. Et si vous n'avez pas envie d'investir dans le manga, parce que je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'investir, commencez par l'animé. Ça vous... regardez-moi les dessins, quoi! Donc, je vous conseille de commencer par l'animé. Vous testez la température pour voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et voilà, et pour commencer sur de bonnes bases, mais bon, bref. Moi j'adore, je sais qu'un jour il faut que je me les achète parce que j'adore ce manga. Et j'arrête d'en parler, mais il était trop bien. Si vous n'avez pas compris que je suis euphorique après m'avoir entendu soupirer comme ça tout du long, il y a un problème. C'est un gros problème. Voilà, voilà. J'essaie de me remettre de mes émotions. Ensuite, je crois que c'est les derniers. Ah non, c'est même pas le dernier manga cette semaine, j'en ai encore à venir. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup bouquiné. Je me suis fait les tomes 2 et 3 de Un amour de bento, donc c'est une trilogie, c'est fini. Alors les recettes sont de Shiori et les illustrations de Nao Kodaka. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est la même illustratrice que celle qui a fait Killala, le manga avec les princesses Disney. Et qui peut vous dire, en fait c'est un shoujo, là c'est très très niais, qu'on soit d'accord, qu'on mette les bases dès le début. Mais c'était chou, c'est sur de la cuisine, vous avez des recettes de cuisine japonaise, donc une nouvelle recette de cuisine par chapitre, d'eux-mêmes. Et du coup, voilà, c'est un petit shoujo, un peu comme si c'était des one-shot, vous voyez. Un peu cucu la praline gnangnan, mais moi ça m'a fait du bien, ça a été 1h30 bien occupée avec ça, et je ne regrette absolument pas. Voilà, et si vous voulez un aperçu des recettes qui sont présentées dans les volumes, donc là c'est le tome 2... et là, c'est le tome 3. Voilà. Et en fait, c'est bien foutu parce que vous avez votre recette et puis à la fin, hop, vous avez les explications des recettes plus mieux expliquées. Oui, ok, plus mieux, ça n'existe pas. Mais c'est pas grave. C'est pour que vous voyez l'idée. Et voilà, les dessins sont choupis et bref,
Big Up. Si vous aimez les shoujo slash kodomo, je vous le conseille. Trop bien. Voilà. Et après, promis, c'est le dernier. J'aurais presque pu faire un otaku time, mais le problème, c'est qu'il y avait des BD. Alors, je ne veux pas mettre de BD dans un otaku time. Je me suis fait le tome 1 de la série Babysitter par Arito Keino. J'avais jamais regardé. Édité chez Glénat. C'est trop, trop, trop mignon. Voilà, alors en fait, ça me rappelle un peu le travail, parce que c'est avec des enfants, mais les dessins sont trop choupés, et c'est adorable, et je veux la suite. Et ça tombe bien, je les ai. Voilà, alors en fait, c'est un garçon qui s'appelle Ruichi. Oui, c'est ça. Ruichi, qui a un petit frère qui s'appelle Kotaro, et en fait, ils viennent de se retrouver orphelins, parce que leurs parents sont morts dans un accident d'avion. Et une vieille madame, qui est là, a décidé de les héberger, mais en échange, Ruichi va devoir devenir le babysitter des enfants, des professeurs de son lycée. Vous suivez? Et voilà, parce qu'il a élevé son petit frère Kotaro tout seul, et voilà, et en fait, on vit son petit quotidien avec ses bébés au lycée, et ses doudous, ça fait du bien, ça fait du baume au cœur, et c'est adorable, et j'ai le tome 2 et 3, et vous allez voir la semaine prochaine. Donc, je vous conseille vivement. Oh, mais regardez-moi le nez, ils sont trop beaux. Pardon, voilà, j'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vous le conseille. Hop là, allez, c'est parti. Je sais pas depuis combien de temps je tourne. On va faire les romans. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec, pour lecture en cours, Mabuja, qui était L'Ange du Crépuscule par Kendra Leigh Castle, édité chez Harlequin dans la collection Nocturne, et c'était distrayant, ok? C'était pas magnifique, c'était pas nul, c'était ok, ce sera très vite oublié, la narration était pas trop alambiquée, c'était assez simple, assez droit au but, voilà, c'était pas mal. Mais je vous recommande pas chaudement, voyez. Si vous avez d'autres livres plus captivants entre les mains pour en acheter, je vous en conseillerais sûrement d'autres, quoi. Voilà. C'est parfait pour se distraire et pour oublier. Après, je vais vous parler d'une lecture que j'ai complètement, mais complètement zappée lundi dernier. En fait, juste avant de tourner ma vidéo, je me suis bougée pour le finir. C'est le tome 6 de Call Me Baby par Emma Green, édité chez Addictive. Donc c'est, vous savez, la série romance par épisode. Et je suis contente que ce soit fini, si vous voulez, parce que le tome 5 avait été très nul, selon mes critères, bien évidemment. Parce que la nana était super indécise, et puis elle faisait pas confiance à son copain, et ça me gavait. Toujours à dire, non, mais vous comprenez, si je lui révèle le secret, il va me quitter, nana. Bref, ça c'était le 5. Et donc ce tome 6, c'est un... Mon téléphone a bugué. C'est un gros recueil de scènes de fanservice, en fait. Vous avez machin ou à l'hôtel, machin là, et voilà, c'était plein de scènes d'amour et tout. Donc en soi, ça m'a pas tellement gênée, parce que vous savez que j'aime ça. Mais je me dis que ça va peut-être pas être au goût de tout le monde. Vous voyez? Donc bonne série, je vous la conseille, vu que donc du coup elle est finie. Ça fait 6 épisodes de 70 pages. Donc si vous êtes lecteur e-book et que vous aimez les romances un peu érotiques, je vous le conseille chaudement. Et pour les fans de la série, il va y avoir un spin-off sur sa petite sœur, enfin sa sœur jumelle, et le meilleur ami de Emmett Rochester, voilà, qui s'appelle Call Me Beach, quelque chose comme ça. Je suis impatiente de le lire. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que j'ai lu? Voilà. Comme vous pouvez constater, j'ai quand même eu une semaine assez bien pleine. Voilà. Alors, je me souviens où j'en suis. Alors, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, je me suis fait avec mademoiselle Lini Bocadix Céline, ma chouquette. Je me suis fait le tome 2 de la trilogie de l'impossible Ever Dark, la suite de Never Sky par Véronica Rossi, édité chez Nathan, et... c'était trop cool, voilà. Et avant que je vous fasse mon résumé, parce que je pense que je vais oublier, ce qui est magnifiquement génial avec cette série, c'est qu'au tout début du tome, vous avez un résumé de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Si tous les auteurs pouvaient faire ça pour leur trilogie, série, ce serait tellement merveilleux. Voilà, il fallait que je le dise, parce que c'est important, selon moi. Alors du coup, Ever Dark...
Il reprend exactement à la fin du tome 1. Il n'y a pas de longueur. J'ai trouvé ça très prenant. Vous avez toujours cette alternance de points de vue entre Arya et Pérégrine que je trouve captivante parce que justement, à chaque fin de chapitre, d'un point de vue ou de l'autre, ça vous laisse sur un mini cliffhanger, ce qui fait que votre lecture est très addictive et vous vous plongez dans le chapitre suivant et vous vous dites, allez, encore un, encore un, encore un, et vous vous rendez compte que vous avez dévoré votre bouquin. Donc voilà, je l'ai fini hier matin. Alors, malheureusement, j'ai une semaine de lecture commune assez chargée, mais Chouquette, parce que je sais que tu vas regarder la vidéo, ne le laisse pas trop loin, le Always Blue, parce qu'on va le sortir bientôt, parce que j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce dernier tome. C'est encore une fois très prenant, donc si vous avez Neversky dans votre palle, accrochez-vous pour la première partie du bouquin parce qu'elle est un peu lente, mais après ça décore, ça décolle et le rythme est très très soutenu, donc je vous le conseille vraiment vraiment chaudement. Je vais tomber. Et puis on en arrive au dernier livre de la vidéo, oui, ça arrive. Alors c'est le livre que j'ai fini à l'instant, voilà, 2 minutes avant de commencer la vidéo. Je me suis fait un livre de ma palle papier, ça m'arrive. Je me suis fait Le plus jamais sans elle de Michael Oliver, édité chez France Loisirs. Alors ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que Michael Oliver est un auteur français, donc je suis fière de moi, je ne l'ai pas fait exprès, mais je suis trop fière. Alors c'est un thriller jeunesse, je l'ai acheté parce que, ben, il fallait que je fasse un achat. Et puis, c'est une super surprise. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Quand je vois thriller, à chaque fois, je suis un peu pas trop tentée, vous voyez? Et puis, en fait, j'ai trouvé ça très émouvant, très prenant. En fait, vous avez l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Alan, qui vient de fêter ses 18 ans. Et son père lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait pour son anniversaire. Et il veut sa mère. En fait, sa mère est en vie. Mais il ne sait pas comment elle s'appelle, il ne sait pas ce qu'elle fait, il ne sait rien à son sujet, parce que sa mère a quitté son père le jour de sa naissance. Et donc le jour de ses 18 ans, son père va lui donner un billet d'avion avec les coordonnées de sa mère et il va essayer de rejoindre sa mère. Sauf que sa mère a un emploi assez particulier qui fait qu'elle voyage énormément. Alan, têtu comme pas deux, il va la suivre. Et ils vont vivre plein de folles aventures. Donc, encore une fois, vous avez un livre qui a énormément d'action, qui vous fait beaucoup voyager. Ça m'a fait du bien au moral parce qu'on passe en Bulgarie, on passe en République tchèque, on passe en Norvège. On a beaucoup de notions du Japon qui sont abordées aussi. Donc, voilà pourquoi vous avez une grue en origami. Et voilà, beaucoup d'action. Vous vous ennuyez absolument pas. J'ai beaucoup beaucoup aimé, donc je vais me renseigner sur les autres travaux de Michael Oliver parce que si ça peut me faire aimer le thriller, je ne dirai pas non. Après, pour ceux qui sont comme moi qui n'aiment pas les thrillers, c'est un roman qui fait 271 pages et qui est écrit pour des gamins de CP. Vous voyez, très grosse marge, très grosse police. Donc je vous le recommande, n'ayez pas peur. Voilà. Et faudrait peut-être que je vous laisse pour la vidéo, mais je vais juste vous annoncer mes lectures futures. Alors, tout d'abord, ce soir, je commence un livre qui me fait hyper peur. Je commence Le Livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness, édité chez Orbit, que je fais en lecture commune avec mon autre membre du Chou Gang, mon amie Chloé, chouchou pour les intimes. Dites-moi bonjour et au revoir parce que j'ai peur de mourir pendant cette lecture. Le premier. Et en numéro 2, je vais sûrement attaquer mercredi ou jeudi le tome 1 de la série L'épreuve, le labyrinthe par James Tachner, édité chez Pocket Jeunesse. Voilà! Après avoir autant parlé, j'ai soif. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à bientôt! Ciao!